Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour une petite guidance impromptue que je vous propose pour ce soir. Alors, c'est une guidance intemporelle, bien sûr, donc ça s'appliquera à partir du moment où vous regardez ce tirage. Donc, vous pouvez le regarder dans un an, dans plusieurs mois, ce soir, plus tard. Voilà, il n'y a pas de date pour pouvoir la regarder. Et si en effet vous voyez passer cette guidance au moment où vous êtes sur Internet, c'est que vous êtes attiré par elle, c'est que il y aura certainement une réponse qu'elle pourra vous apporter. Voilà pour ce qui est des guidances intemporelles. Alors, je vous propose ici deux choix. Alors, avec la petite fleur bleue et la petite pensée qui est rose, rose et rose rouge. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez regarder les deux choix. Si vous avez deux questions, vous pouvez attribuer une question à un choix, que ça soit d'ordre sentimental, professionnel, financier ou autre. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer. On va se retrouver pour le premier tirage avec la petite fleur bleue. Et ensuite, on retrouvera le second tirage avec la pâquerette dans un second temps. Alors, donc comme je le fais d'habitude, je vous propose un tirage à plusieurs niveaux. Donc, on va commencer déjà ici par le mot-clé, je dirais, qui va donner l'énergie principale du tirage. Ici, nous avons la notion de réalisation. Alors, en effet, la notion de réalisation, ici, nous sommes dans la condition humaine, donc au niveau terrestre. On voit que nous sommes dans la concrétisation de quelque chose, la réalisation de quelque chose sur le plan matériel, d'accord? Vraiment sur le plan, je dirais, humain, concret. Alors, ça peut autant parler de sentiments, d'accord, que de choses matérielles. Mais ici, nous sommes à un niveau, je dirais, plus terre à terre. Là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur le dessin, nous voyons une femme et nous voyons un singe. Voilà. Et en fait, c'est une carte qui va nous parler d'amour. D'amour de son prochain, d'amour surtout des personnes qui sont autour de vous. Voilà, c'est la notion la plus importante, je dirais, qui va dominer ce tirage avec cette notion d'amour terrestre. Voilà, l'amour de vos enfants, l'amour de votre conjoint et l'amour de vos proches. D'accord? Donc ça, on va la garder en coin parce que c'est une notion importante. Alors, je crois que je vais faire comme ça parce que je vais vous la laisser en vue. Ça peut être sympa. Hop, avec une petite fleur bleue, c'est joli en plus. On va la garder dans un coin de notre tête, hein, parce que voilà, c'est une notion d'amour et de réalisation concrète. Ça, c'est très important. Alors, au niveau du plan, je dirais, un peu plus psychologique et émotionnel, on a eu ces cartes-ci. Nous avons eu, hop, en carte qui va vous donner, je dirais, les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ici, les points sur lesquels il va falloir un peu plus travailler. Et ensuite, la concrétisation, enfin le mot final de votre état, je dirais, émotionnel au moment où vous regardez ce tirage. Ici, en pour, nous voyons que vous êtes actuellement en train de vous démener pour pouvoir concrétiser vos projets. Alors, avec la carte du héros. C'est-à-dire que ce soit sur le plan amoureux, ici, par rapport à vos proches, ou ça peut être aussi sur le plan professionnel, mais ici, moi, je ressens plutôt quelque chose d'affectif. Vous vous démenez corps et âme pour pouvoir mener vos projets à bon terme, je dirais de manière positive, parce qu'il y a quelque chose de très héroïque, hein, dans l'idée que vous êtes capable de vous dépasser pour pouvoir manifester cet amour envers vos proches. Alors, s'il ne s'agit pas ici d'amour, c'est en tout cas pour réaliser vos projets. D'accord? Donc ça, il y a une notion où je dirais c'est comme l'ours, hein. Voilà, vous avancez avec beaucoup de je dirais,
avec un pas régulier mais lent, mais vous y allez, hein, vous n'avez pas peur du combat, quitte à sortir vos griffes si nécessaire. Mais là, c'est une carte positive, d'accord? Ça veut dire que vous êtes capable d'y aller, voilà, vous êtes capable d'avancer. Le point sur lequel je dirais vous faudra un peu plus travailler est le désir. C'est comme si, ici, vous avez une obsession, c'est-à-dire quelque chose quand même d'assez puissant, qui est le désir, c'est ce qui vous anime, hein, on est d'accord. Mais c'est un petit peu, comme elle, cette carte sort en négatif, c'est plutôt, je dirais, quelque chose d'un peu obsessionnel qui fait que vous vous focalisez sur ce désir-là au détriment peut-être d'autres choses. Voilà, donc faites attention si vous avez un objectif, un désir aussi envers une personne ou le désir d'un projet quel qu'il soit, désir d'enfant, désir de monter votre projet, voilà, ne braquez pas vos yeux que sur ce désir-là. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous, regardez plus loin. D'accord? Ici, c'est un peu, je dirais, donc c'est bien de déployer ici toute sa force, d'être héroïque pour atteindre son désir, mais il ne faut pas non plus que tout se porte ici sur l'objet de votre désir. N'oubliez pas qu'autour de vous, vous avez des personnes ici qui ont besoin de vous. D'accord? Qui ont besoin, en effet, bien sûr, aussi que vous soyez bien dans votre peau, que vous réalisiez vos projets. Mais qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre amour. Alors, je dirais que la carte finale par rapport à ça, c'est le sage. Alors, clairement, ici, c'est une carte qui est positive, justement, puisque le sage va nous parler, bien sûr, vous l'avez compris, de sagesse. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie, donc qui est capable de se remettre en question, mais qui est surtout ici capable de transmettre certaines valeurs par ici, dans cette carte, par le biais de contes. Autrement dit, ça veut dire que cette carte va nous dire que si on la prend dans le sens de conseil, c'est que, eh bien, voilà, les autres auprès de vous auront besoin de votre amour, mais aussi de votre sagesse pour pouvoir avancer. Mais peut-être que dans la manière de le dire, il vous faudra le dire de manière détournée, par l'intermédiaire d'images, de contes, de chansons, vous voyez, je pense aux fables de La Fontaine, par exemple, vous voyez, ce genre de choses qui font passer des messages importants de manière douce et parfois plus efficace. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on a comme information. Alors, nous avions le 7 de bâton, l'as de pentacle et l'arcane, enfin, dans le Marseille, c'est l'arcane son nom. Là, vous avez la mort. Donc, ici, lorsque je vois ce tirage, pour moi, c'est un peu, je dirais, une mise en garde. Donc, ici, soit méfiez-vous de quelqu'un qui pourrait vous raconter des bêtises et essayer de vous voler, soit c'est une carte qui peut vous représenter aussi. Si, par exemple, vous êtes en train de monter un projet et, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de manière, on l'a vu, de manière très active et même un peu obsessionnelle, je pense que cette carte ici nous dit « Faites attention à bien réfléchir, à être malin pour pouvoir atteindre vos buts sans vous faire remarquer. » C'est un peu comme ça que je sens cette carte-là ici, plutôt que comme une mise en garde de quelqu'un qui peut vous abuser ou vous voler. Certes, elle peut avoir ce sens-là, mais avec les cartes que nous avons eues avant, moi je vois plutôt le fait d'être malin. Le fait d'être malin, de trouver une ruse pour pouvoir atteindre vos objectifs sans pour autant foncer, voilà, en sortant l'épée, le sabre, vous voyez, comme les héros, si on pense aux héros qu'on voit dans les dessins animés, vous voyez, il y a toujours quelque chose de très, je pense à Spider-Man, ce genre de choses, il y a toujours quelque chose d'extrême et puis en même temps, de très actif, hein, nous sommes dans le feu ici. Et bien là, on vous conseille, je dirais, certes, allez-y dans l'action, hein, n'ayez pas peur, vous êtes courageux, mais je pense qu'ici, il y a le conseil de réfléchir à une stratégie au lieu d'être tout feu, tout flamme et de sortir l'épée ou le bâton ici et d'aller à l'action, puisque les épées sont là. Donc, moi, je dirais ici, réfléchissez.
prenez le temps de bien réfléchir pour atteindre votre objectif, pour pouvoir être un peu plus le faire avec plus de réflexion et de malignité. Parce que au final, ce qui est très positif, c'est qu'on voit ici, en effet, que suite à cette réflexion, vous allez bien pouvoir mettre en place le projet qui vous tient à cœur. Ici, on est dans le départ d'un nouveau projet qui, en effet, d'ordre matériel. On est toujours, vous voyez, dans la réalisation. Alors, avec cette carte ici, de l'As de Pentacle, pour moi, on a bien quelque chose de nouveau, qui est très concret, puisque, les Pentacles vont nous parler de choses matérielles, tangibles, liées à la Terre. D'accord? Donc, il y a cette notion de réalisation qui va se faire, et là, vous êtes, les choses vont, si vous voulez les mettre en place, vous allez voir le commencement des choses. Voilà, le projet va être initié. Alors, après, je recouvrirai peut-être cette carte parce que ici, avec l'arcane, son nom, on voit que avec ce départ de projet, ça va vous permettre de couper pour partir vers quelque chose de nouveau. Ici, pour moi, je n'ai pas quelque chose de négatif. J'ai plutôt l'impression que vous allez couper en mettant en place ce projet et par sa réalisation, vous allez couper totalement avec votre ancienne vie. On n'a pas la maison Dieu ici qui parlerait de restructuration, de choses qui modifient. Là, on a quelque chose, on a l'arcane son nom, on a la mort, c'est-à-dire que les choses sont radicalement coupées pour partir sur autre chose. C'est une carte qui est beaucoup plus, je dirais, puissante, beaucoup plus radicale. Le changement ne se fera pas qu'à moitié. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors justement, je cherche le tarot, je vais la recouvrir pour voir ce qu'on peut avoir comme complément d'information. Ici, je suis pas bien installée, hein. Je vous ai fait le tirage avant exprès parce que franchement, je suis pas bien installée pour battre les cartes ici. Hop, alors, on va voir ce qu'on peut avoir comme information par rapport à l'arcane sans nom. Hop, ça glisse. Je vais prendre la première qui est tombée. Et nous avons ici le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton va vous parler d'anxiété, de cauchemar. Alors, en effet, il est possible que le projet que vous allez mettre en place soit tellement radical dans votre vie que cela vous inquiète. Je pense qu'ici, nous avons plus une sensation d'inquiétude. J'ai comme l'impression que déjà dans votre tête, vous savez ce que vous allez faire. Enfin, vous savez. Vous ne savez pas totalement encore, hein, mais vous savez que vous allez faire un changement radical dans votre vie. Simplement, vous êtes en train de réfléchir à comment le faire. Comment le faire de manière rusée pour que votre projet soit positif, pour que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Simplement, j'ai l'impression que là, actuellement, vous êtes en période de, comment dire, d'angoisse en fait, hein. Peut-être vous dormez mal la nuit parce que les choses ne sont pas encore claires dans votre tête. Vous voulez le faire, mais vous ne savez pas comment vous allez le faire. Et je pense que c'est une période très difficile pour vous parce que vous ne savez pas encore comment vous allez faire les choses pour que ça se passe le mieux pour tout le monde. Puisqu'ici, on a quand même cette notion d'amour de vos proches. Comme si vos proches allaient être impactés par votre décision. Et c'est quelque chose qui vous angoisse. C'est quelque chose qui vous fait passer de mauvaises nuits. Je vais quand même tirer une dernière carte pour voir ce qu'on a comme information supplémentaire. Voilà. Donc, de toute manière, vous inquiétez pas. C'est vrai que, vous voyez, on a beaucoup d'épées. Hein. Ça cogite. Hein. Je sens que ça cogite beaucoup pour vous en ce moment. Ici, avec l'As d'épée, vous allez trouver la bonne idée pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour pouvoir réaliser vos projets. Ici, nous avons deux As, hein. Nous avons le début du projet, la réalisation matérielle. Le tout est de savoir comment procéder, l'idée, vous allez la trouver. Et ça va être relativement vite, d'ailleurs. Avec l'arcane son nom, c'est radical. Voilà. Donc, si vous ne savez pas trop, je dirais, où vous allez actuellement, vous êtes un peu perdu,
Voilà, vous endormez pas bien la nuit, vous savez qu'il y a quelque chose, ou alors vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare et vous savez que vous devez le faire, vous savez pas comment, pour protéger vos proches, je pense. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire, vous allez trouver l'idée qui vous conviendra. D'accord? Voilà, mais soyez malin. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il ne faut pas y aller bâton, voilà, en disant coucou, j'y vais, je casse tout, je vais à mes désirs. Non, on vous demande d'y aller doucement. Alors, on va voir avec les cartes suivantes. Alors, nous avons ici interdépendance, rapport humain. Bon, vous voyez, je vous parlais ici d'amour. L'amour de vos proches, sur voilà, de votre. De vraiment de vos proches. Donc je pense qu'en effet ici il y a des questions très fortes que vous vous posez par rapport à vos proches. Voilà. Peut-être vous sentez-vous dépendant de quelqu'un et vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est peut-être ce qui vous inquiète aussi la nuit. Parce que l'indépendance des rapports humains nous parle vraiment de quelque chose de profond sur le plan affectif et vous avez peut-être peur que les personnes qui vous entourent se sentent mal, voyez. Voilà, c'est vraiment important là, cette notion d'amour et de relation avec vos proches. Alors, ici, voilà, nous avons, eh bien, on retrouve la même carte, vous voyez que celle-ci, l'enfermement et l'obsession, c'est pas moi qui l'invente, vous avez ici. Je ressors la carte. Vous avez ici l'enfermement. Enfin, c'est pas vraiment l'enfermement, mais c'est le stress. Et ce que je vous disais tout à l'heure, les désirs un peu obsessionnels. Vous les avez là. Voilà. Donc la carte conseil vous dit lâchez les pensées obsessionnelles. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas la peine de vous focaliser sur quelque chose qui vous obsède. Au point de ne pas endormir la nuit, il vous faut un peu lâcher. Les choses se feront, je pense, dans le temps. Simplement, il faudra un peu de temps, un peu de réflexion, prendre le temps, peut-être de trouver des informations supplémentaires pour pouvoir avancer. Donc là, quelque part, ça demande, je dirais, du lâcher prise. Voilà ce qui, pour moi, est important dans ce tirage. Voilà, les penches. La cage et les pensées obsessionnelles. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est comme si, voilà, comme moi j'ai la sensation que vous voulez quitter quelque chose, une situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, mais vous savez que quelque part, ça va mettre de la distance avec vos proches, que ce soit votre famille, vos parents, vos enfants, et ça vous inquiète. Mais en même temps, il y a aussi peut-être le fait que vous, actuellement, vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez mal, et vous avez envie de passer à autre chose. On l'a vu tout à l'heure avec l'arcane sans nom. Mais il y a vraiment cette relation voilà, vos proches qui est importante. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer, comme j'aime bien le faire, une carte de l'oracle des guerriers de la Terre que j'ai pris à côté de moi pour voir ce qu'il nous dit. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup et j'aime bien finir une guidance avec lui parce que je trouve qu'il est toujours de bons conseils. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Hop. Nous avons la femme turquoise changeante. Est-ce ça na tli? Voilà. Elle est très amérindienne cette carte. Alors, il s'agit de la carte numéro 2. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit. Alors, je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Eh bien, voilà,
la réalisation. En effet, les choses vont bouger pour vous. Ce sera une mutation que vous appeliez de vos voeux ou que vous craigniez, mais je vous montrerai de toute façon comment en faire usage pour devenir plus forte, plus sage et plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous ou autour de vous. Fiez-vous à l'à-propos de ce qui vous arrive. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc avec l'arcane son nom, tout à l'heure, avec la mort, on avait vraiment cette notion de changement radical qui était important. Et voilà, la carte vous dit, ben voilà, ne vous inquiétez pas. D'accord, ne vous inquiétez pas, là vous vous prenez la tête, mais ça ne sert à rien. Lâchez prise, ça ne sert à rien, le changement doit se faire. Et c'est une. En plus, j'ai l'impression ici que c'est un changement que vous pressentez ou que vous avez peut-être même demandé. Peut-être que vous avez envoyé des messages à l'univers pour demander ce changement. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez été entendu et ce changement va arriver. Et donc, bien sûr, ça vous fait peur. Normal, hein, puisque lorsqu'on fait un changement radical dans sa vie, ça fait peur. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire encore? Le changement est sur vous. Il est essentiel pour votre croissance et vous n'avez rien à craindre. D'accord? Voilà. Permettez-lui d'advenir en maintenant votre stabilité spirituelle. Cela vous donnera courage, confiance, paix et assurance. Et vous trouverez le moyen de traverser cette période. Si vous pensez opérer un changement, faites-le sans l'imposer par la force. Voilà, c'est ce que je vous disais. Montrez-vous ouvert et faites au mieux de vos possibilités. Mais branchez-vous sur le timing divin, sollicitez une aide de l'univers et laissez la vie se dérouler à son rythme avec son intelligence aimante et créative. Voilà, donc concrètement, ça veut dire n'ayez pas peur. Le changement, vous l'avez certainement désiré, il va arriver. Mais n'en ayez pas peur parce que vous allez bloquer justement ces énergies de changement. Voilà. Bien écoutez, chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé, cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous passez par là, à vous abonner. D'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye! Voilà, alors je vous retrouve pour le second tirage, pour ceux qui ont choisi la pensée rose, rouge. Donc je rappelle, n'hésitez pas à regarder les deux tirages si celui-ci par exemple ne vous parle pas, ou simplement si vous avez deux questions et que vous voulez poser une question pour chaque choix. Voilà, alors voyons voir l'énergie principale pour ceux qui ont choisi le tirage de la pensée. Alors c'est intéressant parce qu'ici nous avons l'étoile de l'amour, l'amour divin. Donc ici nous sommes sur le plan de l'amour transcendantal, dans le sens où tout à l'heure on nous parlait d'amour de vos proches. Ici nous sommes sur l'amour divin. Alors je dirais que nous sommes sur un degré encore plus élevé de l'amour. Ici nous avons la fleur de vie, vous voyez, vous avez l'amour divin. Dans le premier tirage on nous parlait de l'amour terrestre, et ici nous sommes sur l'amour divin. Non, nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus je dirais difficile à atteindre pour nous les humains. Mais comme si, voilà, vous bénéficiez d'une sorte de protection de cet amour divin, comme si, voilà, votre protection était très forte, hein, vous êtes vraiment porté par quelque chose qui nous dépasse. Et peut-être que c'est une notion que vous devriez ou que vous pourriez mettre en place. Enfin, c'est pas une notion, c'est un sentiment. C'est l'amour pur en fait que vous pourriez développer dans cette vie-ci. Alors on va voir avec le tirage ce qu'on a comme information avec la fleur de vie, l'étoile de l'amour, c'est magnifique. On parle que d'amour, hein, décidément. C'est pas volontaire. Donc voilà, oui, je n'ai pas fait les tirages à devant vous parce que pour moi c'est trop compliqué, je suis très mal installée, ça glisse. Mais voilà, les tirages sont faits comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, et ensuite je les retourne devant vous. Mais voilà, pour la petite parenthèse. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle, le tarot des rêves de Gaïa,
les informations que nous avons un peu plus sur le plan de la guidance qui va pouvoir vous aider sur le plan émotionnel en fait. Alors en positif, nous avons le 2 d'air. En partie à travailler le lien entre le corps et l'esprit. Et en conclusion, nous avons le roi de feu. Alors ici, je dirais qu'il y a une question de choix. Il y a peut-être actuellement une situation dans votre vie qui vous demandera de faire un choix, qui vous demandera de réfléchir. Alors, allez-vous choisir la partie sombre ou la partie lumineuse? Ça, c'est à vous de le décider. Et vous en avez, je dirais, l'entière responsabilité. Vous aurez le choix de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va vous l'imposer. Ici, vous avez le choix entre aller vers le lumineux et aller vers le sombre. Voilà. Donc, comme c'est une carte qui sort en positif, eh bien, vous, si vous hésitez, eh bien, vous saurez très très bien quel chemin il vous faut prendre pour être bien ou pour être mal. Voilà, pour moi, ça me fait penser à ça. Alors, sur le plan, je dirais, à travailler, je dirais que vous êtes, vous voyez, on a encore cette notion pour moi de cette notion de choix, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu de mal à écouter ce que dit votre esprit, votre mental, et écouter ce que vous dit votre corps, mais aussi ce que vous vivez sur le plan terrestre. Autrement dit, eh bien, vous avez peut-être des attaches matérielles, d'accord, mais votre esprit vous dit laissez peut-être tomber ces attaches matérielles. Mais voilà, votre corps dit non, 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 je veux pas. Vous voyez, c'est un peu avec le corps et l'esprit, je vois un peu ça. C'est comme si vous aviez, vous saviez, vous savez très bien que vous devez aller là, mais que votre corps et les besoins, je dirais, terrestres, vous rattachent à cette dépendance-là. Voilà, donc je pense que le choix est en lien avec ça, concrètement. Voilà. Donc voilà, vous aurez la possibilité de faire le bon choix. Simplement, il vous faut peut-être prendre un peu de temps pour le faire. Alors ici, avec le roi de feu, je ne suis pas inquiète parce que concrètement, on voit que vous allez passer à l'action, que vous n'allez pas du tout, du tout rester coincé sur ces énergies-là de dualité en disant j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, je fais ci, je fais pas ça. Non, le roi de feu, c'est le roi qui prend les choses en main et qui réussit et qui prend son bâton puisque ce sont les bâtons dans le tarot, hein. C'est le roi qui part à l'action, qui monte son entreprise, etc. Donc, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous allez prendre, je dirais, votre courage à deux mains et vous allez passer à l'action. Voilà, ça va, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc après, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui va vous aider à passer à l'action. C'est possible aussi, ça peut être un homme. Voilà ce qui me vient à l'esprit lorsque je vous parle de ça. Alors, au niveau du tarot, nous avons 4 de pentacle, 5 de pentacle et le 4 de bâton. Alors, ici, alors oui, en effet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est qu'ici, avec le 4 de Pentacle, nous voyons que vous avez thésaurisé, vous avez essayé de mettre de côté pour prévenir de jours difficiles que vous craignez. Ici, vous voyez, en fait, ça nous dit vous avez mis de côté parce que vous avez peur de manquer dans le futur. Donc on sent bien qu'il y a cette dualité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire eh bien, le fait ici de dire voilà, je sais que mon esprit dit que il faut que je sais pas, que je fasse ça, que je mette en place ce projet, que je fasse un changement dans ma vie, que mais voilà, comment je vais le faire? Parce que sur le plan matériel, eh bien, ça m'inquiète. Si je pars là, il va me falloir des finances pour pouvoir atteindre cet objectif. Et là, ici, on voit clairement eh bien, que soit vous avez déjà commencé à mettre de côté, soit vous commencez à y penser pour pouvoir prévenir de jours difficiles. Voyez. Mais rassurez-vous,
vous allez y arriver. Parce qu'ici, avec le 4 de bâton, on a clairement une première étape de stabilité dans vos projets. D'accord? Autrement dit, ça va bien se passer. Mais peut-être parce qu'avant, vous aurez bien mûri, bien réfléchi. Voyez, ici, vous aurez pris la bonne décision entre le matériel et votre projet. Vous aurez réussi, je dirais, à équilibrer les deux pour pouvoir, eh bien, mettre en place votre projet. Donc, je vous dis, il peut s'agir de quitter quelque chose pour aller sur autre chose. Il peut s'agir d'un projet sans pour autant quitter quelque chose, mais un projet qui vous demandera un investissement, par exemple. De toute manière, quoi qu'il en soit, ici, nous avons une belle carte qui vous dit, ben, vous allez réussir à stabiliser votre projet. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais vous êtes guidé, hein. Moi, je pense que ici, avec cette carte-là, vous avez de bons guides et il y a quelque chose. À moins que là, je n'ai pas de carte, je dirais, avec le tarot, de carte qui va nous parler de domaine sentimental, émotionnel. Mais avec l'étoile de l'amour, avec l'amour divin, on a peut-être aussi cette notion de dire, eh bien, il y a quelque chose qui me dépasse et il faut que j'aille vers ça. Vers cette étoile de l'amour, vers cet amour divin. Je ne sais pas, peut-être que sur le plan sentimental, vous savez très bien que vous devez suivre cette voie-là, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Mais pour pouvoir le faire, si par exemple vous avez rencontré quelqu'un, je prends un exemple, eh bien avant de pouvoir mettre en place ceci, il va falloir passer par une gestion réfléchie de vos finances. D'accord? Voilà, pour pouvoir eh ben, projeter des choses avec l'autre personne. Il y a un peu. Je vais voir, je vais essayer de tirer une autre carte, voir si je peux vous en dire un peu plus sur. Si j'ai quelque chose qui ressort sur ce projet-là. Alors, voyons voir. Alors. Voilà, on a encore le 6 de Pentacle. Donc ici, nous avons encore cette notion matérielle, d'accord, avec le 6 de Pentacle. Donc on est, pour moi, même si ici, on est... voyez, il y a quand même cette peur qui ressort encore. Hein. Voilà, c'est comme si vous avez l'impression... Eh bien, de devoir demander la charité encore pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. C'est vraiment pour moi, vous avez vraiment peur hein, quand je vois cette carte. Donc, avec le 4 de bâton, vous inquiétez pas, les choses vont bien aller. Mais, ouais, je sens vraiment une grande inquiétude de ce côté-là. Mais je suis pas inquiète. Alors, on va voir ce que nous dit les autres cartes. Alors, nous avons ici la progression, chemin. Donc, ça, c'est une carte qui est très très positive. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure avec le roi de feu ici, vous allez passer à l'action et vous allez pouvoir progresser dans votre chemin. Vous allez pouvoir avancer dans votre projet, quel qu'il soit. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Alors, après, voilà. Alors, ça, c'est intéressant parce que. C'est une notion qu'on n'avait pas tout à l'heure, là qui ressort. Affrontement et litige, les adversaires sont désignés. Alors, ça c'est intéressant parce que ça nous donne des petites précisions par rapport peut-être à vos inquiétudes. Peut-être qu'ici, cette notion de dualité et de pas trop savoir où avancer, peut-être parce qu'il vous manquait des clés. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous sentez qu'il y avait une résistance quelque part qui faisait que vous n'étiez pas bien dans votre situation actuelle, mais vous ne compreniez pas pourquoi, vous ne saviez pas, il vous manquait des éléments. Sauf que là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une progression et vous allez pouvoir savoir quel est votre ennemi caché et comment l'affronter. Alors, dans le cadre professionnel, ça peut être des concurrents qui essayent de vous savonner la planche, d'accord? Soit sur le plan amoureux, ça peut être une tierce personne, si vous êtes en couple par exemple, qui court après votre femme ou votre mari, ou vous voyez ce genre de choses. Voilà. Mais maintenant, vous allez savoir. Ce que, enfin, qui est votre ennemi?
Et quand on connaît ses ennemis, on peut les affronter. Quand on ne les connaît pas, c'est plus difficile. Je pense que c'était ça ici, cette dualité qui vous coinçait. Alors, ce qu'on va faire, hein, je vais tirer une carte. Hop, je vais tirer une carte des guerriers de la Terre. Parce que je les trouve toujours très très parlantes. Et on va voir ce qu'elle peut nous donner comme conseil. Oui, dans les deux tirages, on a vraiment ces énergies d'hésitation, de... je sens qu'il y a beaucoup de chamboulements actuellement, et certainement lié à l'amour d'ailleurs, hein, au sentiment, même si le domaine matériel forcément intervient dans l'histoire. Mais... Alors, ici, nous avons la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Alors, voyons voir. Donc, il s'agit de la carte 18. Bon, déjà, c'est une carte de bénédiction, c'est plutôt positif. Alors, le condor emporte la volonté du grand esprit sur terre grâce à une puissante médecine. Malgré les obstacles et les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. C'est la prophétie de la résurrection, de la restauration de ce qu'on croyait perdu. Elle arrivera avec une rapidité surprenante. Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel. Donc ça, c'est très positif. On a ce changement qui va avoir lieu. Vous avez peur, c'est pas vraiment un changement, mais pour mettre en place ce que vous voulez, vous allez devoir, sortir le bâton et vous défendre et vous imposer face à vos adversaires. D'accord? C'est de ça dont ça nous parle. Donc, malgré les obstacles et les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. C'est la prophétie de la résurrection, la restauration de ce qu'on croyait perdu. Vous voyez, quand je vous disais que vous aviez peur de perdre, d'être obligé de demander la charité, peur ici d'être en manque. On n'avait que des cartes. Regarde, on a eu les quatre. On a eu les quatre cartes quand même tout à l'heure. On a eu ici, on avait le 4, le 5 et le 6, vous voyez. Vous avez ici cette peur de perdre et vraiment la peur d'être en manque, la peur d'être obligé de demander la charité pour pouvoir vous en sortir. Et là, on nous dit, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, d'accord? Parce que vous allez vaincre vos ennemis. D'accord, vous allez pouvoir vous imposer, donc ça c'est chouette. Alors, la petite phrase suivante vous dit, vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots pour l'exprimer. C'est le changement de couleur de son plumage qui révèle l'émotion du condor. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps. Votre intuition est une forme de sagesse. Sur le plan spirituel, vous êtes lié à la conscience christique, au cœur sacré qui cherche à s'éveiller au sein de l'humanité. Votre mission de vie requiert d'assumer à votre façon un rôle de leader, de guide, de guérisseur, de guerrière pour l'amour de la planète. Et bien voilà notre amour divin, il est là. Il est là. Alors si par exemple vous avez des projets, je pense à ça en lisant cette phrase, des projets pour développer quelque chose qui est en relation avec la protection de la planète, avec le développement de la spiritualité. Si c'est là votre projet, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Vous allez y arriver, il y aura de la concurrence, ça je ne vous le cache pas. Mais vous êtes protégé avec l'étoile de l'amour. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ça. Je ressentais une forme de protection très très puissante. Voilà, voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider si vous vous posez des questions. N'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, à laisser un commentaire, je vous réponds bien sûr lorsque je peux. Et bien sûr, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!